Il était soupçonné d'avoir participé aux attentats d'Al-Qaïda contre deux ambassades américaines en Afrique de l'Est en 1998. Le Libyen Abou Anas al-Libi est décédé vendredi à l'hôpital des suites d'un cancer du foie. Son procès devait débuter le 12 janvier prochain à New York. Il avait été inculpé de complot visant à tuer des citoyens américains et de complot visant à détruire des bâtiments et propriétés des États-Unis. Des attentats avaient visé en août 1998 les ambassades américaines de Nairobi au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. Bilan 224 morts, dont 12 Américains. Il avait longtemps figuré sur la liste des hommes les plus recherchés du FBI. Il avait été capturé en 2013 à Tripoli par les forces spéciales américaines.